Souvent la question, comment gagner en justesse, comment réussir à avoir des notes plus aiguës, comment tenir des phrases longues. Il existe plein de choses pour travailler tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler du flux d'air. Il est important quand on chante d'avoir un flux d'air libre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque qu'on fait l'acte de chanter, on doit absolument avoir, donc on expire de l'air, il faut qu'il soit le plus libre possible pour laisser la possibilité en fait à notre larynx d'atteindre les notes qu'il veut, de ne pas être dans l'effort pour pouvoir tenir plus longtemps les notes. En fait, il y a plein de choses qui viennent nous parasiter, on fait des petits efforts, des petits serrages à des endroits, inconsciemment, on ne s'en rend pas compte en fait, mais ça vient vraiment desservir notre voix. Alors, bien sûr, ce cours ne va pas, cette vidéo ne va pas remplacer un cours de chant avec un bon professeur, mais ça peut déjà vous donner quelques idées, quelques pistes en fait pour travailler et améliorer votre voix. Ce qu'il faut retenir quand on chante, c'est vraiment la base, c'est de se dire on doit vraiment être confortable quand on chante, on ne doit pas souffrir. Donc pour travailler sa voix, il existe plusieurs exercices pour travailler son flux d'air, bien sûr adapté à différentes personnes. Moi aujourd'hui j'ai choisi un exercice, c'est celui qui a le mieux marché sur moi. Alors cet exercice c'est l'exercice de la paille et du verre d'eau. Alors il est très facile à faire, c'est pour ça que moi je l'ai tout de suite adopté et il marche très bien sur moi. Alors vous l'essayerez, vous me direz, vous pourrez mettre des commentaires à la fin en bas de la vidéo, me dire justement si ça a marché, si ça n'a pas marché, voilà ce que vous avez pu constater. Alors l'exercice il est très simple, on va juste faire des bulles dans le verre. Comme quand on était petit, sans faire de son. La seule chose à laquelle on doit penser quand on fait cet exercice-là, c'est à ne pas faire déborder le verre de bulles. Il faut que les bulles soient les plus homogènes possibles. Une fois qu'on a à peu près réussi l'exercice, on va mettre un son. Vous allez prendre une note de votre voix parlée, une note confortable. Alors là ça peut s'agiter un petit peu plus, c'est normal, donc il faut le travailler plusieurs fois. Une fois, à nouveau, une fois que c'est pour vous bien en place, vous avez l'impression que c'est plus facile, vous allez quand même essayer de faire attention. Donc on va faire attention à ce que les bulles ne débordent pas, mais on va aussi faire attention au son qu'on est en train de produire. Il nous faut un son clair, net, propre. Il ne faut pas un son qui fasse comme ça. Voilà, donc de toute façon on l'entend et on arrive à le corriger. Voilà, une fois que tout ça c'est en place, on va s'amuser à faire des glissades, à monter dans les aigus, à redescendre. Donc je vous montre un petit exercice. Voilà.
Vous allez constater que plus on monte dans les aigus, plus on a envie de mettre un effort, et donc plus les bulles s'agitent. Donc on va faire attention, c'est visuel, on peut tout de suite s'en rendre compte si on fait bien ou pas bien l'exercice. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-là. Voilà, une fois que vous êtes bien, vous sentez que vous faites ce genre de petite glissade plusieurs fois, 3-4 fois, une fois que vous sentez que c'est un peu plus facile, vous pouvez chanter. Parce que bien sûr, pour mieux chanter, il faut chanter. Les exercices sont gentils, mais il faut vraiment les mettre en application. Alors, moi, la chanson que j'ai chantée tout à l'heure en début de vidéo, avant de la chanter, je me suis amusée à la faire dans la paille tout entière. Alors, je vous invite à faire la même chose, à chanter le morceau de votre choix dans le gobelet. Vous allez constater qu'il va y avoir des endroits plus difficiles, et bien c'est sur cela qu'on va travailler le plus. Vous allez vraiment focaliser l'exercice de la paille sur ces parties-là. Souvent, c'est les parties les plus aiguës, où on sent que c'est plus difficile. Les phrases plus longues, où on se demande beaucoup, une gestion d'air plus compliquée, où on sent qu'on arrive, on n'arrive pas à la fin de la phrase, on est à bout de souffle. Et bien on va les travailler plusieurs fois dans le vers. Alors faites ce petit travail-là, 10 minutes par jour, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire des heures. Par contre, chantez derrière et dites-moi justement ce que vous avez pu remarquer comme différence derrière. Normalement, on ressent un confort en fait, un confort vocal. On arrive quelquefois même pour certains, pour les plus débutants, on va même pouvoir gagner une octave comme ça, juste en travaillant à libérer son flux d'air et du coup à libérer son larynx. Il va pouvoir monter dans les aigus, descendre, il va pouvoir vraiment atteindre la note que vous voulez sans effort et votre voix va être aussi plus brillante, plus jolie. Voilà, donc travaillez bien, tenez-moi au courant de vos progrès et de vos difficultés et puis je remettrai une vidéo je pense prochainement suite à celle-ci. À bientôt.